c'est de nouveau Cupertino concernant l'Xperia Z. Encore une info importante, enfin bon, ça j'y avais pensé, simplement je tenais à vous le dire. Voici l'ancien couvercle arrière, on va dire, pour parler français, couvercle arrière, c'est plus joli. Et voici le nouveau. Simplement, voilà la NFC, la petite plaquette adhésive de la NFC, pardon. Elle était collée là, donc j'ai pris un sèche-cheveux, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de bien plus chaud. Vous chauffez. Voilà. J'ai le premier sèche-cheveux qui se m'enroule tout seul. Vous chauffez à l'arrière, ici, au niveau de la NFC, voilà, au niveau de l'antenne NFC. Et en fait, alors je l'ai décollé avec les doigts tellement que c'est facile, voilà, elle est partie toute seule. Je l'ai reposée et repositionnée ici, avec, on voit les deux contacts ici. Alors ce qui est important, c'est ça. Voilà les deux contacts à l'arrière du téléphone, ils sont ici, je vais faire un net, voilà. Bah maintenant, en fait, pour repositionner mon adhésif NFC, mon antenne NFC, bah, il faut que je place bien, en fait, à la bonne distance ces deux contacts du bord, afin que ça fasse contact ici. Voilà. Donc c'est important de le signaler, parce que sinon vous allez galérer. À moins que vous ayez acheté un couvercle arrière avec l'antenne déjà collée dessus. Moi, non. Je pensais j'allais péter une durite quand j'ai vu cette antenne NFC, mais en fait elle se décolle très bien. Donc je vais mesurer la distance entre le rebord où plaque la vitre et les deux contacts pour positionner mon adhésif correctement. Voilà, c'est juste une petite pensée du jour, une de plus. Bonne journée, bon week-end, c'est Cupertino. Nous sommes, je crois, le 22 février, samedi. Il est 14h48, je reviendrai sans doute pour une autre vidéo durant le week-end qui n'a rien à voir. Bon week-end, c'est Cupertino.